Alors après une semaine de woofing, on est arrivé sur la Sunshine Coast, et plus précisément à Nusa. Donc là, on est parti pour faire une petite balade dans le parc national. Apparemment, c'est assez joli. On va longer la côte et ensuite faire le tour dans la forêt. Je crois qu'il y a des eucalyptus, on peut même voir des koalas. Donc on va voir si on a de la chance. En tout cas, il fait beau, non? Et il fait super beau, et ça c'est cool. On a revêtu nos habits d'été, donc t-shirt et short. Et a priori, ça devrait aller de mieux en mieux, parce qu'en fait, plus on monte vers le nord, plus il fait chaud. Donc vers Cairns, on devrait être autour des 25-30 degrés, donc ça c'est plutôt cool. Sympa l'hiver en Australie. Yes. Alors ça y est, on a pris notre petit bus de nuit, 17h. Finalement, c'est passé assez vite. Ouais, ça va. Et là, il est 9h30, il fait, je pense, au moins 25 degrés. Donc on est content. Et on reprend nos habitudes de petits backpackers à transporter nos gros sacs jusqu'à notre hébergement. Et normalement, cet après-midi, on va faire un vol en avion pour voir l'archipel des Whitsundays, qui est l'un des plus beaux d'Australie. Chou, t'as peur ou pas? Oui, j'ai peur. Pourquoi t'as peur? Parce qu'on va prendre un tout petit avion et que ça se trouve, ça va beaucoup bouger. Moi, j'ai peur en avion. Ah, bah, c'est une bonne idée de faire une heure d'avion là. Pourquoi on fait ça? Rappelle-moi qui a eu l'idée. Hein? Qui a eu cette idée brillante? C'est toi! Mais t'as fait tout ça qui a vomi au cas où ou pas? T'arrêtes de m'embêter maintenant. Alors là, on est toujours dans les Whitsundays, mais cette fois-ci, on le fait pas en avion, mais en bateau. Et là, on vient d'accoster sur la Whitehaven Beach. Donc, c'est l'une des plages les plus célèbres de ces îles. Et a priori, c'est la plage avec le sable le plus doux au monde. Moi, je pense que ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas encore été à belle île, mais bon. Mais arrête, t'es dur. Franchement, c'est non. Franchement, le sable, il est hyper doux. Oui, on dirait de la farine.
Alors là, maintenant, nous sommes à Magnetic Island, donc c'est notre dernière étape de la Sunshine Coast avant de rejoindre Sydney. Et donc aujourd'hui, on va faire une petite balade dans le parc naturel parce que c'est une île qui est assez réputée pour son parc national et notamment pour ses koalas. Apparemment, il y aurait la plus grande colonie de koalas d'Australie. Donc on va partir à leur recherche. Et c'est aussi une belle balade pour voir toute la côte et les plages de l'île. Donc a priori, ça va être plutôt sympa. Et ce soir, pour terminer en beauté, on va aller voir des rock wallabies. Alors c'est des tout petits wallabies. Et on a vu un petit peu des photos et ça a l'air vraiment tout mignon.